Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture. Je vous avais dit que j'en ferai régulièrement. J'en ai fait une qui regroupait mes lectures de janvier, février, mars 2018. C'est la première et la seule de ma chaîne. Elle n'a pas eu beaucoup de succès. Du coup, j'ai hésité à en refaire une. Puis en fait, j'ai envie. Donc, j'en refais une deuxième. Alors, cette fois, c'est mes lectures de avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, donc 7 mois, et autant vous dire que cette année j'ai beaucoup lu, enfin beaucoup, c'est très peu par rapport à, j'ai des amis qui lisent 50 ou 60 ou même 100 bouquins par an, moi pas du tout, mais voilà mes lectures des 7 derniers mois, donc je vais vous parler brièvement de tous ces livres. Certains m'ont beaucoup plu, d'autres un peu moins, je vais peut-être insister sur ceux qui m'ont beaucoup plu, bien sûr, et bah je vous montre tout ça. Je vais commencer par celui que je n'avais pas la place de prendre dans mes mains. Je l'ai lu, j'allais dire cet été, mais non, c'était aux vacances d'avril, je crois. Le cahier Crystal Power de Aurore Widmer, je l'ai lu en entier. Il est vraiment très bien. On retrouve plein de choses sympas à l'intérieur. J'aime beaucoup comment c'est fait. Il y a le côté... comment dire, il y a le côté lithothérapie, mais il y a aussi tout un côté féminin, cocooning, développement personnel. J'ai beaucoup aimé. J'ai lu La femme au carnet rouge de Antoine Laurin. Donc en fait c'est l'histoire d'une femme qui se fait agresser dans la rue. Elle perd connaissance, on lui vole son sac à main, elle vit seule, donc personne ne... Enfin si plusieurs... Ces personnes de son boulot se rendent compte qu'elle n'est plus là, mais ils savent pas où elle est. Un libraire va trouver son sac à main par hasard dans la rue, dans une poubelle, près de sa librairie. Il va se prendre au jeu de chercher qui est cette femme, et du coup il va y avoir toute une histoire autour de ça, donc de l'identité de la femme, du monsieur qui retrouve son sac à main, etc. Et c'est un livre assez sympa, que j'ai bien aimé. Je crois que je l'avais eu l'unique fois où j'ai acheté la box qui s'appelle Cube, K-U-B-E, et c'était une suggestion. Bah ils se sont pas trompés, c'est vraiment un livre que j'ai bien aimé, tout une histoire d'amour à l'eau de rose, enfin voilà. J'ai lu Le plus bel endroit du monde est ici de Frances Miralles Carré Santos, je m'excuse pour la prononciation. Donc en fait c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Iris, qui vient de perdre ses parents dans un accident de voiture tragique, qui a le moral au fond des chaussettes et qui va par hasard se retrouver dans un café qui s'appelle Le plus bel endroit du monde est ici. Elle va faire une rencontre un peu étrange d'un homme qui s'appelle Lucas et qui va changer sa vie puisqu'il va la conduire au bonheur. Il y a un tout petit peu de surnaturel là-dedans, et c'est du développement personnel, un chemin de vie. C'est un roman, comme ils appellent ça à la télé en ce moment, les romans destinés à vous rendre heureux. Moi je suis pas d'accord avec cette appellation, mais c'est un roman qui fait du bien et qui fait réfléchir. J'ai lu La méthode Chopra, donc c'est pas du tout un roman, c'est le docteur Deepak Chopra, qui est un médecin spécialisé en Ayurveda, qui a créé en fait une méthode pour perdre du poids. Moi j'ai lu ce bouquin parce que le... Bah simplement il me paraissait intéressant, et effectivement il est extrêmement intéressant. Je trouve qu'il porte très mal son titre parce qu'on dirait que... il va nous vendre sa méthode comme la méthode du camp ou je sais pas quoi. En fait il nous explique les rouages de l'alimentation émotionnelle et de l'alimentation en pleine conscience, avec un petit côté ayurvédique. J'aime vraiment beaucoup. Je pense que toutes les personnes qui ont un problème d'alimentation quel qu'il soit devraient le lire, parce que ça aide vraiment à prendre conscience de l'alimentation et à apprendre à manger en conscience. J'ai lu Le plus beau reste à venir, qui est un roman qu'une amie m'a offert pour mon anniversaire. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme dont j'ai oublié le prénom, je ne sais plus, dont son père est prof et vient de mourir. Et en fait donc ses amis d'enfance vont venir à l'enterrement de son père, et ça va être des sortes de flashbacks et permanent, enfin des allers-retours permanents entre le présent et des scènes qu'ils ont vécues ensemble au lycée. Et pareil, c'est un petit peu initiatique, mais ça va le faire évoluer. Ils vont revivre des choses, ils vont se rendre compte de certaines de leurs actions, de leurs réactions. C'était pas mal du tout à lire, j'ai bien aimé. J'ai lu Rester en vie de Matt Haig, qu'une amie aussi m'a offert pour mon anniversaire. Vous allez dire j'ai des amis bizarres parce que sur ce bouquin là faut oser l'offrir, mais moi je suis vraiment contente qu'elle me l'ait fait découvrir parce que j'ai beaucoup aimé. C'est en fait un récit un peu romancé de l'histoire de Matt Haig. Il raconte dans ce livre qui est pas très épais hein, comment il a vécu et comment il est sorti de sa dépression, tout simplement.
voilà, de ses troubles anxieux et de sa dépression. J'ai trouvé ça très intéressant, j'ai trouvé le témoignage poignant, j'ai trouvé qu'en lisant ce livre on se sent moins seul. Alors vous allez dire mais t'es dépressive, non je suis pas dépressive mais je souffre de troubles anxieux qui me pourrissent la vie au quotidien, et il donne des pistes pour s'en sortir, il montre, parfois on comprend pas la réaction des proches et on se dit mon dieu mais je suis folle, et en fait il montre que les proches ne comprennent pas non plus notre souffrance. Enfin, si vous êtes dépressif ou que vous souffrez de troubles anxieux, je vous conseille de lire ce livre parce que il montre qu'on peut s'en sortir. J'ai lu un autre roman qui s'appelle L'éveil de Mademoiselle Prime de Natalia Sanmartin Fenoliera. Voilà, c'est un roman sympathique auquel j'ai eu du mal à accrocher au début, mais qui est aussi un roman un peu initiatique. C'est Mademoiselle Prime, donc qui est une femme un peu coincée, un peu, enfin qui est célibataire, un peu coincée, qui va postuler pour un boulot dans une maison d'un riche, dans une grande maison d'un riche homme, qui s'occupe de ses neveux et de ses nièces pour ranger, archiver, entretenir la bibliothèque. Et en fait, dans ce livre, il n'y a pas beaucoup d'action, si vous cherchez de l'action, c'est mort, mais il y a beaucoup de conversations entre les personnages, et en fait, le village dans lequel elle va donc se faire embaucher dans la maison du monsieur est un village où un peu le temps s'est arrêté, et ils sont restés sur des valeurs, sur des, je sais pas comment expliquer, par exemple ils n'embauchent dans leur village que des personnes qui n'ont pas de diplôme ou de surdiplôme, je veux dire, pour leur qualification, pour arrêter de faire valoir des choses, de vouloir de la reconnaissance en permanence, etc, etc. Et ben, je trouve ce livre très, très intéressant. Les discussions sont un peu philosophiques, c'est pas mal du tout. Après faut pas avoir envie de lire un roman d'action. Ce livre est tombé sur ma route au mois d'août, vous l'avez peut-être vu si vous me suivez sur Instagram. Je suis allée chez mes parents et près de chez eux il y a une boîte à livres, vous savez, une bibliothèque ouverte où on peut poser des livres, en remettre, etc. Et j'ai été faire un petit tour et le hasard a fait que je suis tombée sur L'Alchimiste de Paulo Coelho. Donc si vous êtes adepte du développement personnel, vous connaîtrez L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est un roman de base du développement personnel. Paraît-il que c'est le roman de base, je n'avais pas encore lu. C'est l'histoire donc d'un jeune homme dont je ne me rappelle plus le prénom avec tous les bouquins que j'ai lus, qui va faire une sorte de quête. Comment il appelle ça, voilà, la quête de sa légende personnelle. Et bah, c'est initiatique, il va faire un voyage initiatique à la quête de sa légende personnelle. Et c'est vraiment un très bon livre que je vous conseille si vous aimez le développement personnel. Sur les conseils d'une amie, j'ai lu « Dites non à l'alimentation de consolation, apprenez à gérer vos émotions pour vous libérer de la faim émotionnelle » du docteur Roger Gould. Je l'ai lu en pas mal de temps, en plusieurs fois. C'est un très 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 bon livre sur l'alimentation émotionnelle. Après j'ai moyennement accroché, j'ai beaucoup plus accroché à la méthode Chopra. Il explique vraiment bien quelles sont les différentes raisons psychologiques qui font que nous sommes tentés de manger émotionnellement et comment soigner comment pallier à tout ça en fait. C'est vraiment intéressant, il faudrait que je le relise. Si vous avez des problèmes de faim émotionnelle et d'alimentation émotionnelle, je vous conseille de le lire, je sais qu'il a été d'une grande aide à beaucoup de gens. J'ai lu Qui es-tu de Lise Bourbeau. Donc Lise Bourbeau apparemment c'est une grande prêtresse du développement personnel. Qui es-tu, c'est un livre avec lequel j'ai eu du mal, j'ai eu du mal à accrocher, c'est un livre de développement personnel qui invite à réfléchir sur qui nous sommes à travers nos sens. Donc on est ce qu'on entend, on est ce qu'on voit, voilà, ça c'est, donc le sous-titre du livre c'est Écoute ton corps, ton plus grand ami sur la terre. Et donc voilà, c'est un livre qui nous invite à nous connaître à partir de ce qu'on voit, ce qu'on mange, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, etc. C'est pas mal, mais c'était peut-être un peu trop pour moi, j'ai moyennement accroché. J'ai lu L'art du calme intérieur de Eckhart Tolle. L'art du calme intérieur, c'est un petit livre de sagesse qui nous ramène à l'essentiel, voilà, tout est résumé. C'est un petit livre en fait avec des sortes de chapitres, enfin avec des chapitres, pas des sortes de chapitres. Par exemple, le chapitre 2, Au-delà du mental,
le chapitre 3, le soi égoïque, etc., etc. Le chapitre 5, votre nature véritable. En fait, c'est des réflexions... classé par thème pour inviter au calme intérieur. Et comme il est dit dans la préface du livre, c'est pas un livre qu'il faut lire en continu comme on lirait un roman. On ouvre, on lit un passage et on le médite. Et c'est vraiment ça. Alors moi je l'ai lu en plusieurs fois, mais comme on lit un roman, franchement c'est un livre que j'ai limite envie de laisser poser tout le temps chez moi. Et on l'ouvre et on réfléchit sur un passage. Par exemple, si je vous en prends un petit. Un grand espace de silence garde toute la nature dans son étreinte. Il vous tient, vous aussi. Et on médite sur ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit livre. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé, À fleur de peau, de Saverio Tomasella. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce roman, qui est un roman aussi un peu initiatique, développement personnel, mais vraiment un roman à l'eau de rose, sur le personnage de Flora, qui est une femme, une jeune femme hyper sensible. Elle va apprendre à apprivoiser son hypersensibilité et à en faire un atout plutôt qu'une souffrance à travers sa vie, son cheminement. Elle va rencontrer des personnes qui vont l'aider à avancer. C'est voilà, un roman initiatique. J'ai vraiment beaucoup aimé, moi qui suis une hypersensible. Je me suis vraiment beaucoup reconnue dans le personnage de Flora. Et ça donne des bonnes pistes pour aider à vivre mieux avec son hypersensibilité. Et à la fin, il y a même tout un tas de petits exercices à noter. Enfin, je trouve ça vraiment sympathique. Et c'est un livre que j'hésiterai pas à relire parce qu'il m'a fait beaucoup de bien. J'ai lu Rae, mon histoire vraie, mon terrible secret, de Rae Swigert. Donc c'est un témoignage romancé d'une jeune fille lycéenne qui souffre de phobie scolaire et de phobie sociale. J'ai pas trop aimé ce livre, je l'avais acheté d'occasion parce que la quatrième de couverture me parlait. Ouais, j'ai pas trop aimé ce livre, c'est un récit de vie sur une pauvre jeune fille qui souffre de phobie scolaire. Et le dernier livre que j'ai fini hier soir et que j'ai aussi adoré s'intitule Les petits soleils de chaque jour de Ondine Kayat. C'est en fait l'histoire de Colline, une petite fille de 9 ans dont les parents vont divorcer. Et en plus de cela, j'aurais dû commencer par ça, c'est ça la base de l'histoire. Colline, la petite fille de 9 ans donc, est ce qu'on appelle une enfant cristal. C'est une enfant hyper sensible dans le sens où elle ressent toutes les émotions passant avec énormément d'acuité et ça l'affecte énormément et elle n'arrive pas à gérer cette hypersensibilité et du coup elle est très triste, presque dépressive parce que pour elle le monde lui paraît moche, tout le monde paraît triste, elle absorbe en fait toute la tristesse, toute la souffrance du monde et elle va aller habiter pendant un mois de vacances chez Clélie, une amie de ses parents. Et elle va rencontrer plein de personnes dans cet immeuble qui vont l'aider à grandir, à avancer et à vivre mieux avec son hypersensibilité et justement à se protéger un peu de cette hypersensibilité qui fait d'elle une éponge émotionnelle. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce livre. J'ai adoré le personnage de Théodore qui est un papy à fond sur la méditation, etc. Enfin voilà, vraiment, je n'hésiterai pas à le relire parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, alors c'est pas une grande critique littéraire que je vous ai faite, puisqu'en 15 minutes je vous ai présenté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 livres. J'ai lu 13 livres ces 7 derniers mois, c'est pas énorme en fait, hein, ça fait 2 par mois, c'est tout. Voilà, je vous ai présenté 13 livres, j'espère que ma petite présentation vous aura plu et que ça vous aura peut-être donné envie de découvrir les livres. Alors moi je suis pas critique littéraire, hein, donc je sais que si vous avez l'habitude de regarder des chaînes littéraires, vous allez sans doute trouver ma vidéo franchement pas terrible. Mais c'est pas grave, moi c'est la présentation que j'avais envie de vous en faire et je vous ai pas présenté ces livres dans leur forme littéraire, je vous ai présenté ces livres avec mes émotions et mon ressenti et pour moi c'est le plus important quand on lit un livre.